précédemment dans The Big Game of Ski. Petite foulée, petite foulée. Ah, c'est des vêtements en cuir, hein, c'est un peu étroit. What did happen? Je pense qu'on va basculer dans le mode The Walking Dead du jeu et ça va être pas mal. Alors on va aller chercher une petite fille qui est probablement infectée et j'ai un arc. Ok. Petite, petite, tu es dans le coin? Un pneu tueur! Je m'en remettrai jamais. Voilà, on y retourne. Ça va bien se passer. Comment vous allez, les amis? Oui, ça vous dit quelque chose, ce décor? Oui, c'est Annie. Annie Last Hope, notre dernier espoir à tous. À tous. C'est un peu comme Sarah Connor, mais en plus catastrophique, on va dire. Alors aujourd'hui, la troisième session. Je retourne dans le jeu pour essayer d'avancer, ce qui n'est pas gagné, parce qu'il y a une gestion de l'armement qui est assez particulière, on va dire. On va voir ça. Madame, ça va pas, madame? Qu'est-ce qui se passe? Oui, j'ai changé de personnage depuis le début de l'aventure, maintenant je suis Annie. Annie la chasseuse, allez-moi ça. J'ai pas beaucoup d'armement sur moi, j'ai un malheureux cocktail Molotov. Quand je dis malheureux, c'est parce qu'il est tout seul. J'ai une mitraillette aussi qui est bien, mais regardez-moi ces munitions. Oui, ça fait pas lourd. Donc du coup, je vais essayer de me débrouiller à l'arc, puisque je vais faire des rencontres fort sympathiques. Si vous avez regardé le dernier stream, vous savez de quoi je parle, puisque je me suis fait dérouiller par un comité de zombos et quelques pneus mutants qui voulait me tuer, oui, échapper de Robert. Totalement. Vous me croyez pas? Ok, je vais vous faire voir ça tout de suite. Je vais essayer de récupérer un max de bonus quand même avant. Avant d'aller à la tatane. Oui, bandage, j'en veux, il y en a qu'un. Et je veux des bandages, j'en veux plus. Parce que je vais avoir des gros soucis là. Alors, par où j'attaque? Par où j'attaque? Par au-dessus? Non, c'est. En dessous? C'est peut-être pas très malin. Donc voilà le nouveau problème qui m'arrive. Je me suis pris dans la tronche. Tiens, tiens, mes crayons. Je commence, j'ai déjà la moitié de ma vie qui a foutu le camp. C'est vraiment pas cool. Ça va être un massacre. Non, c'est un guet-apens là. Je vais essayer par au-dessus. Comment ça, je suis pas rassuré? Eh oh! Il y a plein de crabes mutants qui prennent possession des gens, qui les transforment et... vous croyez que je vais être détendu? Vous voulez plaisanter? Je voudrais des bandages, bordel. Bon, je vais utiliser mon bandage, tant pis. Aïe, 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 aïe. Alors, c'est... ça, là. Ce serait pas un problème. Si ça arrivait tranquille, l'un après l'autre. Et vous allez voir ce qui va m'arriver dans ce passage. Et je vous interdis de rigoler, je vais écraser ma toute dernière. Oui, je crois pas que je vais survivre là. Le temps que je me remette les commandes dans les pattes, ça va être chaud chaud. On y va. On y croit, on y va, on y va, on y croit. Vas-y, tiens, 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 tiens. Ils viennent droit sur toi.
graine d'herbe. Je suis pas bon. C'est le temps de reprendre des commandes, c'est normal. J'avais prévenu, hein. Allez, feu. Absolument que je trouve du miam. Ah, ce passage était vraiment tordu. Tordu de chez tordu de ultra tordu quoi. Ah, donne-moi des bonus, donne-moi quelque chose. Ah, je vais prendre le petit chemin là-bas, je préfère. Je sais pas si c'est une excellente idée. Il faut absolument pas que je meure parce que si je me refais ce passage, là je vais pas crier, je vais hurler. Alors je vous rappelle que Rick, je l'appelle comme ça, il a un autre nom, mais moi je l'appelle Rick parce qu'il me fait trop penser à lui. Et il m'a envoyé là chercher une petite qui s'est perdue et qui est probablement infectée. Oui, je fais du breakdance. Et du coup, parce qu'il disait que je servais à rien dans le village, au refuge. Et du coup, je sais pas si c'est vraiment une bonne idée de m'avoir envoyé là, parce qu'en plus il y a des pneus tueurs. Comment ça, je raconte n'importe quoi. Non. Il y a vraiment des pneus tueurs. Cet endroit est trop zarbi. Game saved. T'es toujours au bon endroit au bon moment, toi, dis donc. Enfin, je t'aurais préféré avant, Franck. Ah. Oui, allez. Je veux des bandages. Je veux plein de bandages. Parce que je vais vraiment prendre plein le dos. Yeah. 5200. Bah dis donc. Alors, ah oui je veux. Ah oui je veux encore. Enfin, je vais tout se prendre ça. Ça aussi, ça va être bien. Ça marche très bien ça. C'est bon. Pas les affaires, on a dit.
C'est ça, bande d'andouilles, là. Alors, je surveille ma life. Ah, j'ai trouvé son collier. Je vais avancer très doucement parce que j'ai pas envie de me faire blaguer. Regardez-moi ça. Regardez-moi ces tas de... Ces tas d'abous. Ces tas d'idées. Ces imbesses. Bonus. La santé. Ça n'arrête pas. Là, si Rick était là, ça se passerait autrement parce qu'il a des plans, lui, Rick. Ah, ça sent les pneus. Je vais prendre ça. Oui, alors vous ne me croyez pas quand je disais que tous deux étaient vivants et qu'ils voulaient me tuer. Ok. Il est énorme ce pneu. Il va protéger ses petits. Faire long feu à ce rythme-là. En plus, il est blindé. Bandage. Oh, je m'y prends très mal. Je m'y prends très mal. J'avais pas vu. Trop d'émotion. On va se mettre un petit bandage. Non, pas tout de suite. On va voir. Ça va être plus calme bientôt, peut-être. Saleté.
wish there was something else we could play. The barn? Like the movie? Radical! Let's play! Sam? Hurry, release the barn baddies! There's only one way to beat them now. Button smash! Kids can defeat the monsters, so if anyone can beat the monsters, we gotta beat the monsters! Monsters! Help me search and rescue my friends so they can join in and help defeat the monsters of Weary Falls. Watch out for the zombies, ghosts, and other creepy crawlies. Take that. Then fight your way to the boss levels and beat them on their own turf. This is awesome! Yeah, it is. The Barn the Video Game, now available. Also, check out the Tubular Motion Picture for Nevermore Production Films. You think her parents will notice the ceiling? Alors maintenant, vous me croyez quand je vous dis qu'il y a des pneus tueurs qui envolent à ma peau? Oui, c'était pas juste un film, c'était pas juste une légende. Et je me demande où est Quentin Dupieux avec sa caméra. Je suis sûr qu'il était planqué dans le bosquet en train de filmer. Qu'est-ce qui va m'arriver? Oui, marrant. Peut-être pas y aller à l'arc tout de suite, si. Rassuré, je ne suis pas, non. Non, du tout. Regardez-moi ces cadavéreux. Bon, mon arc cartonne un petit peu plus depuis que je l'ai amélioré. Je sens qu'il y a quelqu'un dedans. On se méfie de tout maintenant, hein. C'est... Alors, il y a moins de décors à casser que quand j'étais Jack. Étrangement. Et ça aurait tendance à m'inquiéter parce que je sens que niveau munitions, ça va être un peu short. Qu'est-ce que quoi? Clutch, une pote aussi. Clutch, c'est pas trop cool là. Pas mieux. Clutch. Oui, je fais super l'air, bien l'air faussement détendu. Ah, ça se casse pas, ça s'ouvre pas. Je veux des bonus, les amis. Comment ça, j'emmène pas large? Mais si, mais je préfère rassurer un petit peu quoi. Parce que, oh, un croisement et. Mon ami au bon tuyau. Ok. Je vais me stuffer à donf. Monsieur est généreux sur les objets qu'il me rachète, mais alors là, il va falloir vraiment que je récupère du bon matos, parce que 8000, trop cher. On y va. Ça sent le bonheur, ça sent le plaisir, ça sent la joie. Alors cette histoire de oh grue, c'est pas pour me rassurer. Se planquer dans les arbres, c'est cool. J'aurais dû écouter Eric. Qu'est-ce qu'il me parlait? Passer là, oui, bah ça va être compliqué. Alors est-ce que ça se flingue ce truc? Non, ça va pas trop l'air. Si, hein. Ah. Non, le caillou tueur. C'est dégueulasse.
Je me suis fait tuer par une technique vieille comme le professeur Jones. C'est vraiment pas sympa. Du coup, il me remet où? Ah, ouais, là, mitrailleur. Ça me semble plus judicieux. Bonsoir, monsieur. Madame. Ça, encore. Ça va être la joie à ce niveau. Ah mais ça s'arrêtera jamais, nom de Zeus. J'avais envie de me faire plaisir sur ce coup-là. Faudrait pas que je crève maintenant, ce serait vrai. J'ai envie de jouer, je peux faire tout en bas. Il y a des bonus. Il va faire un peu des bonus. regarde ce que tu vas faire, parce que... Regarde bien comment ça marche. Vite. Ah, j'avais prévenu, moi. Dis, t'écoutes pas. Hein. Remets-toi de la santé. Ah, purée, non! On peut pas tomber dans le vide, c'est pas possible. Je suis déçu, je suis super déçu. Je me fais avoir. Bon, de toute beauté. On va aller chercher quand même ce truc, je le veux. Je suis sûr qu'il y a des trucs bien dedans. Attends, ça vient. Pas deux fois. Le coup dans le vide. Non, non, je pas deux fois, j'assume pas. Ça sent la blague. Ça sent le doigt. Comment ça? Je vais me faire à l'arc. J'ai vu passer quelque chose là. Ça sent la grosse connerie, c'est pas pour faire ça. J'ai dit. Comment ça pue le sac? Non, 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 non. Surtout pas. Non, 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 non. Je passe où, moi? Thank you.
Quelle cochonnerie, mes amis. Le chat t'a failli te faire tirer dessus. Que ça va popper un peu de partout. Alors, j'espère que c'est pas la petite qui l'a enterré. Je crois que si. Oui, on va faire un scénario festif quand même. Et voilà, ça a pas raté. J'aurais jamais dû écouter Rick. Oui, mais je sens que ça va faire. C'est trop simple. J'entends pas des cailloux bouger un peu. Oui, bien le chat. C'était triste, hein, cet épisode de Walking Dead, je sais. Désolé, ça s'appelle le rhume des foins, c'est pour ça que je renifle en général au printemps. Voilà, j'espère que je vais avoir les félicitations du boss quand même, parce que je me suis donné bien du mal. Je suis allé faire tout ce périple pour enterrer deux personnes. C'est triste. Si je peux pas piquer la voiture, j'ai des clés. Pas encore. Oui, j'ai une petite idée derrière la tête, même une grosse, on va dire. Oui, je sais. Thank you.
Julie, vas-y, occupe-toi-en. D'ailleurs, tu devrais faire une jolie petite peinture abstraite avec sa cervelle sur le mur derrière. Allez, salut les pommiers, je me casse. Mea. C'est une bonne idée. J'espérais faire de la voiture, je suis un petit peu déçu du coup là. Bon, faut dire meuf au volant. Il y a un dicton, je me rappelle plus exactement ce qu'il dit, mais il y a un dicton. Quoi, c'est purement gratuit et sexiste? Ouf, totalement, mais c'est pas moi qui l'ai inventé. C'est pas un très bon endroit pour une demoiselle toute seule. J'ai pas un pet d'armes. Quelle courageuse cette Annie, malgré ces panneaux qui annoncent des ours très affamés dans le coin. Oui, personne ne nous séparera, car le mur est plus fort que le zombo. Sur cette partie-là, je suis un petit peu déçu parce que je m'attendais à ce qu'il y ait une partie en véhicule. Ce qui pourrait être vraiment marrant, quoi. Oui, il n'y a rien de mieux que d'éclater du zombo à bord d'un bon gros 4x4. Polluant de préférence. Désolé pour les chats dans la gorge et tout ça, c'est pollen, la totale. Oui, parce qu'on a beau être enfermé, on aère un peu, parce que sinon on va devenir dingue. Pendant que tous ces gens bien pensants qui disent ce qu'il faut faire sans le faire eux-mêmes sont dans leur villa avec piscine. Je sais pas ce que c'est ce truc vert là-bas à droite, mais je me demande si je suis vraiment pressé de le découvrir. Des petits cadeaux en plus. Ok, on va aller voir ça. Ok. J'étais quand même pas pressé de le découvrir. Stop les pneus. Alors ça m'aura quand même marqué dans le jeu de me faire agresser par les pneus. C'est hommage direct. Ça a l'air tout simple, mais ça ne peut pas être aussi simple que ça.
Oui, Eric a un plan, mais il ne marche jamais. Et je pense pas qu'Annie ait un meilleur plan que... que Rick. Non, tu veux vraiment que je passe là-dedans. Et je sens que ça va tout s'ouvrir et se déclencher dès que je tombe pile au milieu, tu vois. Merde. Quelle résistance t'as, toi? Une bonne. Ouh, il y a des speeds. Alors je recroiserai bien mon petit dealer qui j'ai peut-être changé d'arme moi si ça continue. Désolé. Les sapins me fascinent. Mais oui, il va me falloir un petit peu plus costaud qu'un arc si je veux m'en sortir, j'imagine. Oui, je m'entraîne un peu. Hein. Je sens que je vais être vénère. C'est beaucoup trop simple pour être honnête. Alors un petit reproche au jeu, c'est qu'il n'y ait pas plus de petites zones bonus à explorer. Parce que c'est très très dirigiste, c'est dommage. Abus. Capoute. Mon dealer est peut-être dans le coin. Hein. Je pense que ça va dériver, on va passer de Walking Dead à Silent Hill. Étrangement.